Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petit retour sur le Deus 2. Donc j'ai eu la chance d'avoir assez rapidement via la maison de la détection. Donc j'ai pris l'ensemble avec le disque de 28. Parce que le disque de 28, moi qui fais beaucoup de forêt, pour moi c'est polyvalent. Donc voilà, j'ai fait une dizaine d'heures de sortie. Donc je voulais vous faire un petit retour là-dessus. Parce que j'avais vu beaucoup de vidéos sur des sorties bord de mer, mais très peu en terre intérieure. Alors moi, qu'est-ce que j'ai pu constater? Donc déjà, j'ai pas tout épluché, tout ce qu'il y a dans le Deus, hein. Il y a vraiment beaucoup beaucoup de réglages possibles. J'ai vraiment tourné dans un premier temps avec les programmes d'usine. Donc principalement avec le programme 1, hein, qui est pour moi, je trouve super polyvalent. J'ai trouvé quelques bricoles avec, des trucs sympas. J'ai trouvé de très petites monnaies. Donc ça, c'est intéressant. Au niveau des performances, en termes de puissance, j'ai trouvé qu'on était... Enfin, j'ai pas creusé forcément très profond sur les cibles. Donc difficile de faire vraiment une comparaison, par exemple, avec le Deus que j'ai aussi. Puisque les monnaies que j'ai fait avec le Deus 2, il y a fort à parier que je les aurais fait avec le Deus 1. J'ai essayé plusieurs programmes, j'ai essayé le Fast, j'ai un peu de difficulté sur les sons, ça ressemble beaucoup à MineLab, j'étais un peu perdu, je vous avouerai. Donc pour moi, voilà, il est super facile à prendre en main dans un premier temps quand on reste sur les programmes d'usine, mais tout comme le Deus 1 en fait, hein. Voilà, je suis très satisfait de l'ergonomie. Je suis très satisfait aussi du fait que maintenant, quand vous allumez la télécommande, ça allume automatiquement le casque et inversement, on n'a plus à éteindre le casque séparément. Voilà ce que je peux vous dire sur le Deus 2. Et n'hésitez surtout pas à me poser des questions, j'essaierai d'y répondre. Je vais essayer de faire quelques sorties supplémentaires et éventuellement filmer en sortie. Le gros avantage aussi, c'est qu'on peut faire fonctionner et le casque et le haut-parleur du Deus. Donc pour les vidéos, c'est pas mal du tout. Ça vous permet aussi à vous de vous rendre compte ce que nous on peut entendre dans le casque. À très bientôt.